Préparez-vous pour le yoga nidra. Étendez-vous en savasana. Les paumes de main tournées vers le haut. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Fermez les yeux. Et rapidement, faites-vous immobile. Vérifiez maintenant que vous êtes bien en place. Faites tous les ajustements nécessaires pour être confortable, posé, pour ne plus avoir à bouger. À partir de maintenant, il ne doit plus avoir aucun mouvement jusqu'à la fin de la séance. Oubliez pour 3 quarts d'heure tous vos problèmes et tous vos soucis et concentrez-vous sur Yoga Nidra. Oubliez tous vos soucis. Faites une grande inspiration et en expirant, sentez que vous lâchez prise. Laissez votre sens de l'ouïe vagabonder au loin, puis ramenez-le progressivement vers la salle, jusqu'à votre emplacement sur ce tapis. Prenez bien conscience de cette pièce et de vous-même allongé sur le sol. Prenez conscience de votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience de votre respiration. Soyez simplement conscient de respirer. Ne vous concentrez pas. Conscience du souffle et conscience du corps. Rappelez-vous votre attention et répétez mentalement, je vais pratiquer Yoga Nidra en toute conscience. Je vais pratiquer Yoga Nidra en toute conscience. Directe et positive sur ce que vous voulez voir évoluer
ce que vous voulez voir changer en vous. Répétez trois fois votre sankalpa en le vivant en pleine conscience. Rotation de la conscience, conscience des différentes parties du corps, en faisant un voyage tout autour du corps. Laissez votre mental sauter librement d'une partie à une autre. Côté droit, pouce de la main droite, deuxième doigt de la main droite, troisième doigt. Quatrième, cinquième, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, côté droit, taille, hanche, cuisse droite, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied droit. Orteil du pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Côté gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt de la main gauche. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule, aisselle, côté gauche, taille, hanche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied gauche, orteil du pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Face antérieure en descendant, passez à la tête, sommet de la tête, front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, haut de l'abdomen, bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil droit, orteil gauche. Face postérieure en remontant. Maintenant la face postérieure. Plante du pied droit. Plante du pied gauche. Talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière du genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche,
colonne vertébrale en entier. Omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Partie principale, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes, ensemble, ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras, ensemble, ensemble, toute la tête, tout le dos, tout l'avant du corps. Tout le corps, tout le corps, tout le corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Concentrez-vous sur eux un petit moment. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol, intensément, de manière homogène. Portez votre attention sur la paume des mains. Sentez la peau, celle des doigts. Sentez la peau et prenez conscience des lignes qu'il y a sur la paume et les doigts. Avec intensité. Perception pleine et entière. Prenez conscience de la peau du front. Prenez conscience de la peau des joues et du menton. Percevez les moindres rides du visage.
Et maintenant les lèvres. Sentez le contact entre les lèvres. Ressentez-le avec intensité. Portez votre attention sur votre respiration naturelle. Soyez conscient de respirer lentement et tranquillement. Soyez conscient de votre respiration et de rien d'autre. Votre respiration et rien d'autre. Concentrez-vous maintenant sur le mouvement du souffle entre le nombril et la gorge. Ressentez le souffle qui se déplace tout au long de ce passage entre le nombril et la gorge, le mouvement du souffle qui se déplace tout le long du passage. À l'inspiration, l'air s'élève du nombril à la gorge. À l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. À l'inspiration, l'air s'élève du nombril à la gorge. À l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. Prenez-en conscience. Prenez conscience de la respiration dans les narines, du souffle naturel qui passe dans les deux narines et vient former un triangle dont le sommet est la racine du nez. Conscience de la respiration dans les narines, du souffle naturel qui passe par les deux narines et vient former un triangle formé dont le sommet est la racine du nez.
Prenez conscience des deux souffles qui entrent séparément, se rapprochent et se rejoignent au milieu des sourcils. Le souffle qui entre séparément et se rejoint au milieu des sourcils. Commencez maintenant à pratiquer un Adisodhana mental, une conscience de la respiration mentalement alternée dans les narines. En effectuant un compte de 108 à 1 comme suit. 108, inspiration par la narine gauche. 108, expiration par la narine droite. 107, inspiration par la narine droite. 107, expiration par la narine gauche. 106, inspiration par la narine gauche. 106, expiration par la narine droite. 105, inspiration par la narine droite. 105, expiration par la narine droite. Et ainsi de suite. Répétez en même temps ces chiffres mentalement. Pleine conscience du souffle dans les narines et du compte. Continuez votre compte en restant pleinement conscient. Continuez en restant conscient.
Prenez conscience de Chidakash, l'espace intérieur que vous voyez derrière votre front. Intensifiez votre perception de cet espace. Un espace infini qui s'étend à perdre de vue. Prenez conscience de cet espace. Soyez totalement conscient, mais restez détaché. Ayez conscience de le regarder comme si vous regardiez un film. Ce que vous voyez est une projection de votre inconscient. Si vous voyez des formes, ces formes ne sont que des manifestations de votre mental. Maintenez votre perception. Continuez. Amenez votre attention sur le point centre des sourcils. Concentrez votre attention sur le point au milieu des deux sourcils. Imaginez que vous êtes assis au centre des sourcils, en posture de méditation, en train de chanter le mantra Om, en synchronisation avec votre souffle. Vous êtes assis en lotus ou dans une autre position assise et vous chantez le son Om. Conscience d'être assis au point centre des sourcils en train de chanter Om. Om vibre avec chaque souffle. Continuez. Visualisez Om qui se déploie en cercle concentrique à partir du point centre entre les sourcils, au fur et à mesure que vous continuez. Om.
Ramenez maintenant votre attention au point centre des sourcils uniquement. Cessez de vous visualiser vous-même en train de méditer. Préparez-vous à retourner à Chidakash. Ramenez votre conscience à Chidakash. Retournez à cet espace intérieur. L'espace que vous voyez derrière la paroi du front. Dans cet espace, guettez toute couleur ou forme qui peuvent surgir. Il ne doit y avoir aucun effort, simplement la conscience de regarder. Pleine conscience de regarder en témoin. Prenez conscience de votre sankalpa. Remémorez-vous le sankalpa que vous avez formulé au début de la séance. Le moment est venu de répéter votre sankalpa. Formulez votre sankalpa dans les mêmes termes et avec la même attitude, avec foi, avec force, avec calme et avec conviction, 3 fois de suite. Reprenez conscience de votre respiration.
Soyez conscient du souffle naturel. Prenez conscience du souffle naturel dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle dans les narines et demeurez là. Perception de la respiration mentalement alternée dans les narines. Pratiquez cela un petit moment. Élargissez maintenant votre conscience de la respiration à toutes les parties du corps. En inspirant, sentez la force de vie imprégner tout votre corps. En inspirant, sentez la force de vie imprégner tout votre corps. Inspire, force. Prenez conscience de votre corps étendu. Prenez conscience de votre existence physique. Prenez conscience de votre environnement. Le sol sur lequel vous êtes allongé. La pièce où vous vous trouvez. Tournez votre attention vers l'extérieur. Et tout doucement, commencez à faire de petits mouvements en vue de vous asseoir. Prenez votre temps, rien ne presse. Bougez les doigts, bougez les orteils, bougez les bras, les jambes. Étirez-vous de la tête aux pieds 3 fois. Avec les bras au-dessus de la tête comme un chat. À gauche, à droite, en arrière. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés,
Très lentement, rien ne presse. Quand vous le désirez, vous allez venir vous asseoir en position de méditation en gardant les yeux fermés. Gardant les yeux fermés, vous êtes en conscience de votre verticalité. Vous êtes en conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Vous êtes en conscience d'être stable, d'être solide, d'être ancré, connecté à la terre, ouvert vers le ciel. La séance de Yoga Nidra est terminée. Nous allons conclure avec trois grands om tous ensemble. Inspire. Et tout doucement, lentement, ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'instant présent. Revenez ici et maintenant.